Hey, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon let's play sur le jeu Age of Empires 3, l'acte 3. Et ben oui, c'est le quatrième épisode, non pas sixième, parce que j'avais dit cinquième dans l'épisode précédent alors que c'est le troisième. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Allez, on reprend. On devait chasser Beaumont dans les grottes. Où il s'était échappé, et pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est juste qu'il y a plein de gardes des reliques un peu partout. On est obligé de défoncer au fur et à mesure. Donc il reste pas grand chose de la grotte. Enfin de la carte surtout. Donc je suppose qu'on arrive un peu au bout. Ouais d'accord. Il reste pas grand chose mais... Hop. Hop. Toi tu vas venir ici. Allez, essaie de le passer. Ok, il peut pas passer, génial. Allez, voilà. Et... Oh. Non, il se met à jouer du... Il se met à danser. N'importe quoi. Un chariot qui danse, on aura tout vu. Allez, on arrive bientôt au bout. Mais on va se préparer, parce que là, il reste encore une petite zone de la carte à explorer. Donc méfiance, méfiance. Là, on aura des mousquetaires. Vous voulez pas vous rapprocher un petit peu? Voilà, histoire que un peu plus de monde puisse s'attaquer. Nous sommes sauvés. Ouais, je sais pas forcément si vous êtes sauvés. Pensez que vous êtes sauvés, mais je suis pas sûr. Étant donné que j'ai un peu vous envoyé au casse-pipe, je pense. Alors. Ah ouais, d'accord. Oh mon dieu. Faut que j'utilise ça. Non mais, elle est sérieuse là? Ça va pas fonctionner son truc. Putain, la garde des reliques, elle fait super mal. Aïe. J'ai besoin de vous. Voilà. On va essayer de les faire un par un. Ils font super mal quoi. Aïe. Voilà. Ouf, on y est arrivé. Alors on va récupérer le coffre. Trouver la carte séminole et s'en emparer. Je sais pas d'où il sort cet objectif principal, c'est un peu bizarre. Ah bah c'est elle. Indiquant l'emplacement du lac de la lune. Bah tu prends ton truc. Voilà, trouvé. On dirait que Beaumont s'est enfui, mais regardez ça. Ah bah il reste un morceau de la carte qu'on n'explorera pas. On a gagné. Aussi glissant qu'une anguille. Petite nièce, cela faisait bien longtemps. Oui. 5 ans depuis la mort de mon père. Que faites-vous là? Je piste Beaumont depuis des mois. Le cercle d'Ossus et lui pensent que vous savez où se trouve le lac de la lune. Encore cette vieille histoire? Vous oubliez en quelle année nous sommes. Le cercle est bien réel. Votre grand-père l'a appris avant de mourir. Beaumont est leur chef actuel. Le cercle ne trouvera rien au lac. La fontaine de Jouvence est un mythe. Et Beaumont? Enfui. Et en plus, il a tué mes meilleurs hommes. Vous comprenez? Beaumont va aller en Floride pour obtenir des Séminoles ce qu'il n'a pas eu de vous. Et même si le lac est un mythe, l'or perdu se trouve dans les marais. Alors allons-y. Bon, ok. On va retourner au lac. Niveau 15, bah, c'est pas mal tout ça. Bon, bah alors, qu'est-ce que je peux demander? Les dirigeables, est-ce que c'est intéressant les dirigeables?
Ouais, peut-être faire autre chose. Les colons, toujours bien les colons. Ayant rejoint son grand-oncle Canyon Key, le Major Cooper, Amelia tient absolument à poursuivre Beaumont et récup pour récupérer de l'or espagnol que ses ancêtres ont perdu. Eh ben allons-y. Retour en Floride. Oh, un bayou. Un marais d'eau salée. Grand inquisiteur, le Séminole dit que les Incas ont emmené l'eau, mais il ignore où ils sont allés. Vérifiez qu'il ne sait rien. Coupez-lui d'abord les orteils, puis les doigts, un par un. On a trouvé de nombreux doublons, mais la plupart de la flotte reste enfouie. Prenez l'or. Lui, on cherchera l'eau. Plus vite, la fille et ses amis vont bientôt arriver. Ils ne font pas le poids contre le cercle. Peut-être que oui, peut-être que non. Trouvez vite l'or espagnol ou vous perdrez plus que vos doigts. Ok. Vos ancêtres ont combattu le cercle ici. Ils ont détruit la fontaine et coulé la flotte. L'or est peut-être encore là, tout près. Ne vous inquiétez pas. Beaumont n'aura pas cet or. Ok. L'or perdu espagnol. Ce marais était le lac de la Lune? Je ne vois pas de fontaine de jouvence, mais la région regorge de doublons de l'ancienne flotte espagnole. Ok. J'ai beaucoup de gens. Cet or espagnol, comme tous les objets intéressants que je trouverai dans ce vieux marais. Il faut détruire les avant-postes qui défendent les épaves. D'accord, bon. Il faut que je me charge de ces avant-postes. Alors, faut que je vois qu'est-ce que j'ai. Hop, on va remettre toutes nos unités de combat ensemble. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ah, il y a des... Non, attendez, hop. Non, on peut pas tourner la caméra, je me souvenais qu'on pouvait. Non, on peut pas. C'est moi. Je dois délirer. Donc là, ils sont sur des dindes, ok, ça c'est plutôt pas mal. Oui, il y a plein de dindes partout. Amelia, mais enfin, il faut quand même du monde. La mine proche de votre base est épuisée. Récupérez des pièces sur les épaves. Ah, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de... On va avoir besoin de quelques colons quand même. Quelques trésors. Allons aux tribus séminoles de cette région. Elles nous aideront à combattre et nous fourniront peut-être des informations utiles. Alors, on va s'occuper des quelques trésors qui circulent un peu partout, enfin qui sont un peu partout là. Donc là, il y a quoi? Un pied de tomate valant de la nourriture, nickel. Alors, toi, tu vas aller chercher l'or qui est là-bas. On va aller détruire le lanceur à Sarbacane hors la loi. J'ai pas un colon là avec. Si, j'ai un colon dans l'eau. Alors, du coup, on a demandé quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut demander? On peut demander 4 colons d'un coup, histoire d'être tranquille. Hop, on va sortir les colons. Il va falloir de la nourriture. Beaucoup de nourriture. Du bois aussi. Ce qu'il me faudrait, c'est quand même du... Y a rien en fait. À moins que je puisse pas explorer. Enfin que j'ai pas encore exploré. Il me faudrait de l'or. Sachant que l'or il y en a ici. Donc on va attendre le prochain mec. Voilà. Donc tu vas me faire une... Un comptoir ici, histoire qu'on puisse s'allier avec les indigènes. Et toi, tu vas aller miner de l'or, enfin, toi et tes copains, vous allez miner de l'or. Ok, là, il n'y avait pas des... Ok, flippant. J'espère qu'ils vont pas se faire attaquer. Ah.
évidemment. Venez là, faut les aider. Non, j'ai pas envie que vous me tuiez. Évidemment que si. Allez. Voilà. Ça c'est bon. Donc du coup, nous on va se poser par là. Quoique non, on va se poser là. J'ai besoin de plus de pièces. Je vais avoir besoin de pas mal de bois aussi. On va demander d'autres colons. Hop. T'as bientôt fini le comptoir, toi ? Nos alliés séminoles ont évoqué un ancien canon voilà. Enfoui au cœur de la forêt. Ils m'ont expliqué où chercher. Oh, il y a un canon, là. Je me souviens. Ah bah oui, effectivement, c'est l'ancienne carte. Là, on voit bien le lac de la Lune. Je vous invite à regarder l'acte 1 pour ceux qui n'ont pas vu. Là, c'est bien le lac de la Lune. Et la fontaine de Jouvence, elle était au milieu. Sauf qu'on l'a défoncé. Ouais, effectivement, on pourrait aller chercher l'ancien canon. Alors, sauf que on va faire d'abord des trucs un peu plus intéressants, enfin, peut-être un peu plus utile. De base. Alors, vous êtes combien? Hop, allez pas trop loin. Alors, vous pouvez faire des tireurs l'arc à dents de requin. Attaque et point de vie des guerriers séminoles accrus. Et meilleur de. S'ils se mettent à passer par derrière, ça va pas aller. Comment ça y est? Aïe aïe aïe. Boum. Tu peux pas te réparer toi? Je fais quand même pas mal attaquer, faudra que je me méfie. La cavalerie peut-être pas, on va faire déjà directement une fonderie. Donc je passe à l'âge supérieur. Il faut 1200 d'or. Évidemment j'ai pas 1200. J'ai suffisamment de nourriture mais j'ai pas 1200 en or. Vos soldats sont encore plus mauvais que ce marécage. Ouais tu peux parler toi quand même hein. Tu dois pas forcément sentir bon. Guérilla séminole. Dégâts plus importants au bâtiment. Dégâts causés par tous les archers. Par tous les archers, c'est pas mal, ça peut... sauf que j'utilise que des... Des mecs avec des fusils. Un peu con. Est-ce que j'envoie le fort? Est-ce que j'envoie le fort? C'est la question qui tue. Parce que je pourrais poser le fort quelque part par là. Et être tranquille. Ah, yeah, ça sent l'attaque. Hop. Ça sentait l'attaque. Allez. Putain, ils sont en train de me défoncer quand même. Oh là 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 là. Comme se méfier, hop. Hop, on va éviter de prendre des colons. Bon, on s'est fait bien défoncer. Il faut quand même que je fasse... Je pense qu'il faut que je fasse mon fort. Quelque part par là. Je sais pas trop où le mettre, en fait. Ici, à la limite. Pas mal ici. Sauf que je suis un peu dessus, quoi. Aïe. Ok, donc le fort est bon. Je peux passer à l'âge supérieur d'ailleurs. Un chariot de fort. On va redemander un chariot de fort. Et ben on va prendre. Hop. Voilà, ça y est.
Du coup, je vais faire des Focono. Ah, j'ai plus de sous. C'est vrai que j'ai oublié ce détail. Oui, voilà. Il faut que je fasse une cavalerie quand même. Il faut que je fasse de la cavalerie. C'est un petit peu indispensable. Parce que là, ils m'ont bien décimé. La prochaine attaque, j'aurai un peu de mal. Ah mais en fait j'aurais pu... Je suis bête. Avec le fort du coup j'aurais pu faire tout ça d'un coup quoi. Oh c'est idiot. C'est un peu idiot. Bon alors, de ce côté là. Faire un deuxième. J'ai quoi? J'ai des mousquetaires vétérans. L'idéal ça serait... Ouais, un soldat Red Coat c'est quand même super cher quoi. Du coup, on va plutôt essayer de faire des hussards. C'est vrai que j'ai pas de hussards vétérans, donc non, on va faire des hussards. Mais j'ai pas encore assez de pièces. J'aimerais bien qu'il m'en trouve un peu plus, voilà. On va faire des hussards vétérans, on va faire un petit peu de cavalerie, parce que encore je peux invoquer directement là, les mousquetaires, mais bon, la cavalerie, il faut quand même quelque chose, quoi. Je pense qu'il me faudra encore un ou deux canons. Un canon de campagne, pourquoi pas? Allez, canon de campagne, c'est parti. Là, je vous assure, ça va dérouiller du slip. Hussard vétéran terminé. Maintenant, il faudrait que je fasse quelques hussards. Sauf que ça coûte super cher en or et que j'ai pas non plus 50 000 d'or. Hé hé, j'ai qu'un seul fort, du coup ça me sert à rien. Je vais oublier la limite. Ah, tu peux pas rentrer dans un bâtiment? Évidemment non, tu ne peux pas rentrer dans un bâtiment. Du coup tu me sers absolument à rien en fait. Oh la violence. Je viens de me faire mes U totalement. Arsenal, on va faire un arsenal. Capitole. Je sais pas si ça me sert à quelque chose. On va essayer de faire quelques hussards supplémentaires, au moins histoire d'avoir un petit paquet de 5 en plus. J'avais pas un bâtiment un peu défoncé, non ça va. Du coup on va faire venir nos 14 mousquetaires. Ah, j'hésite entre 14 mousquetaires et 3 bombardes, parce que bon, les bombardes ça peut être très utile quand même. Oh il faut de l'or partout quoi. Ah non, peut-être pas ça. Si, il faut quand même de l'or partout. Voilà. Portée de... Je crois que c'est la portée qui est augmentée. Non, attendez. C'est champ de vision. Bon, le champ de vision, c'est pas mal aussi. La portée, ça aurait été mieux, mais... Ouah, je les ai pas vus arriver, ceux-là. Faudrait des... Des soigneurs aussi, ça pourrait être pas mal. Oh, le retardataire qui s'est défoncé. Ah mais il n'y a plus de production de nourriture là. Du coup, s'il n'y a plus de production de nourriture, ça va pas du tout. I need some food. Allez hop, aidez-le à... Du coup, il va me falloir 4 colons de plus. Là, ils sont que 6. Toi c'est bon. Est-ce que faire des maisons ça pourrait aider à quelque chose? Parce que je suis un peu... Ah, j'ai plus d'or. C'est pas bon du tout. Il faut vite qu'on se débrouille pour débloquer un point d'or. Un point ou deux. Hop. Augmenter la production. Hop, on va faire venir ça. Ah oui, c'est vrai que je crois que j'avais complètement oublié faire une... Hop. Voilà, faire une maison, ça suffit. Ça crée une... Un habitant. Je crois. J'avais vu ça. D'ailleurs, un peu spécial. Ah, mais si, il y a quand même de l'or ici. Il y a de l'or partout. Boum.
Oh, ça fait 20 minutes. On va quand même s'occuper de cet avant-poste, hein, histoire d'être... de repartir sur de bonnes bases pour le prochain épisode. Allez, c'est parti. On va détruire l'avant-poste frontalier. Voilà. Il en reste deux. Boum. D'ailleurs, plutôt que rester là, essayer d'aller un peu plus loin, genre par ici, histoire qu'on soit tranquille. Voilà, donc là, on va bien pouvoir repartir sur de bonnes bases pour le prochain épisode. Ouh, intense. Intense, intense. Il faut gérer la protection. Tiens, d'ailleurs, j'ai trois mortiers que je vais pouvoir faire venir. Hop. Il faut gérer la protection, il faut gérer des... Il faut que je fasse des unités ici, parce que si je me fais attaquer ici, ça va... j'aurai l'air de faim. Voilà, il faut gérer la protection, il faut gérer plein de trucs. Enfin, moi je m'éclate, j'espère que vous vous amusez aussi à regarder ce que je fais. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine, salut à tous !